négociations avec le Mercosur, alors que l'Union européenne s'apprête à redéfinir sa politique agricole, révèle un manque dangereux de cohérence de la part de la Commission. Voilà plus de 10 ans que les négociations avec le Mercosur ont débuté. Et nous avons, comme pour les accords avec la Colombie et le Pérou ou l'Amérique centrale, les mêmes recettes néolibérales sur la table. Il faut arrêter ces accords de libre-échange et retourner autour de la table multilatérale de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord Europe-Mercosur est un véritable test de crédibilité pour le Green Deal. Ratifier le premier, c'est ruiner les chances de réussite du second. Si le Green Deal, c'est sauver le climat, c'est sauver le vivant, c'est redynamiser notre économie, c'est créer de l'emploi, à ce moment-là, l'accord avec le Mercosur ne peut pas être signé.